Je vous présente Gonzo, grand spécialiste du zigzag aquatique. Mesdames et messieurs, venu tout droit de Californie, voici la bande au grand complet. Gonzo, Santo, Kai et Smack. Mais comment différencier les mâles des femelles? En grandissant, les mâles développent une bosse sur le haut du crâne et ils peuvent peser jusqu'à 3 fois le poids des femelles. Gare aux poignées d'amour, messieurs. Les otaries sont doués d'une extraordinaire souplesse. En 2 temps, 3 mouvements, elles sont pliées en 4. Elle possède 2 petites nageoires postérieures, et 2 plus grandes à l'avant. Contrairement au phoque, qui n'a que des toutes petites nageoires qui l'empêchent de marcher. Belle imitation du phoque. Ah, les murs ont des oreilles. Toutes petites. Oui, les otaries ont des petites oreilles, alors que les phoques n'ont pas de pavillon externe. Les otaries sont amphibies. Elles vivent sur terre et dans l'eau. Elles peuvent marcher, grimper et même, vous allez voir, se déplacer au galop. Attention, c'est très impressionnant. Oui, elles battent aussi des records à l'heure de la sieste. Du grand art, admirez le travail. Mais ce sont aussi de remarquables nageuses. Pour se déplacer, on dit qu'elles marsouinent. Elles peuvent atteindre les 30 km/h. Allez, 35. D'accord, 40 km/h, mais c'est mon dernier mot, Gonzo. Vous l'aurez compris, les otaries sont d'une agilité surprenante, dans l'eau comme sur terre. DJ, s'il vous plaît. Chacune son tempo, son tempérament. Thank you.
présence amicale dans le port de San Francisco le prouve, humains et otaries sont bien colocataires d'une même terre. Continuons de cohabiter dans le respect et l'harmonie. Accueillons maintenant l'éminent professeur Delfour. Oui, je sais, on a pas le droit de passer par là, mais je suis en retard. Bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Savez-vous que le mot dauphin vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer? On leur doit beaucoup aux Grecs. On leur doit également le mot otarium, qui veut dire petite oreille. Bien. J'espère que vous êtes doués en apnée car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont là parce qu'elles ont envie de voir des dauphins? Allez-y, levez la main, les grands, les petits. Formidable. Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. La question, je vous réponds. Oui, c'est de l'eau de mer, reconstituée. La planète se réchauffe, la banquise est en mode décongélation, elle fond, oui. Ainsi fond que les océans montent et que votre morale descend. Et oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin sympathique? Votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Il va falloir vous adapter. Vivre en groupe. Chasser les bancs de poissons en frappant la surface de l'eau avec force et vélocité. Vous pourrez atteindre des vitesses de plus de 40 km/h. 40 km/h grâce à un corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, c'est bon, vous l'avez. Qu'est-ce qui vous manque ?